الله أكبر، 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 ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Mesdames et messieurs les représentants des institutions diplomatiques et consulaires accréditées en République de Guinée, mesdames et messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, mesdames et messieurs les acteurs de la société civile, monsieur le fondateur de la société Sonoco, mesdames et messieurs les opérateurs économiques, monsieur le secrétaire exécutif de Wakf Bid Guinée, distingués leaders religieux, chers donateurs, chers représentants des médias publics et privés, distingués invités, chers participants en vos rangs, titres et grades tout protocole observé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Excellences, Monsieur le Premier ministre, j'ai l'insigne honneur, en même temps la lourde mission de soumettre à votre haute autorité ce projet d'agenda de la cérémonie d'ouverture de la 42e édition du concours national de lecture, de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran dans sa session 2024. 1. Lecture de quelques versets du Saint-Coran qui sera faite par un talibé du centre de mémorisation dénommé Iqra wa Rattil. Ce sera en la personne d'Abdus Salam Bangoura. 2. Discours de bienvenue de Monsieur le secrétaire général des affaires religieuses par intérim, Elhadj Ibrahima Ousmane Ba. 3. Discours de son excellence, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite, Dr Fahad Eid al-Rachidi. 4. Démonstration du déroulement du concours par un exemple, démonstration qui sera faite par un représentant, par le président du jury, en la personne de Dr Aboubakar Fofana, qui va tester le candidat appelé Abdul Wahab Touré. 5. Discours d'ouverture de Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant Son Excellence Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Amadou Ouri Ba. 6. Bénédiction finale faite par l'un des imams de la grande mosquée Faisal et enfin le retrait des officiels. بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا